Et salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler carabine de battue. Allez, top vidéo. Donc, je vais commencer par vous présenter ma carabine. Pour ma part, j'utilise la Vulcan de chez Winchester, un 300 Winchester Magnum. Donc petit conseil pour les personnes qui hésitent encore pour leur choix de calibre. Donc il faut que vous sachiez un truc, c'est que n'importe quel calibre que vous allez prendre, si vous ne placez pas correctement votre balle, vous n'arrêterez pas l'animal comme il faut. Après, il faut savoir aussi que ce soit le calibre 300 Winchester Magnum, 9.3-62, 30.06, pour ne citer qu'eux, ils ont suivi un effet de mode. Ils ont prouvé leur efficacité et ça dépendra juste des goûts et des couleurs de chacun, tout simplement. Je vous mettrai la fiche technique juste ici. Ce qu'il faut savoir sur cette carabine, c'est qu'il est en état d'origine. Elle a une bande de battue avec une mire réglable latéralement et en hauteur. C'est donc une semi-automatique, donc deux balles dans le chargeur, une balle dans la culasse. Ce qui est spécifique sur cette arme, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez, mais elle a le même rechargement que la Bar Browning première génération, c'est-à-dire que pour armer l'arme, il vous suffit tout simplement de tirer sur la culasse, mais elle n'a pas de bouton poussoir pour la faire revenir. Donc vous ouvrez le chargeur, vous mettez vos deux balles, il vous suffit de tirer juste vers l'arrière la culasse et elle se ferme. Tout simplement. Vous mettez le chargeur et là l'arme est chargée. Donc moi j'ai rajouté comme optique le point rouge 9000L de chez Aimpoint. Il existe dans la même catégorie le modèle plus compact, beaucoup plus court. Je vous mettrai aussi la fiche technique quelque part par là. Donc on ne présente plus les points rouges Aimpoint. Il faut savoir que ce soit le modèle long ou le modèle compact, il n'y a aucun effet tunnel dessus et pas de parallaxe. Ils ont une autonomie tous les deux de 50 000 heures au niveau de la pile, donc vous avez largement de quoi faire. Et moi je l'ai pris en 2 MOA. Voilà, il existe aussi en 4 MOA. Le MOA c'est le diamètre du point qu'on voit à l'intérieur. Voilà, 2 MOA c'est un diamètre très 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 fin, et le 4 MOA il est un peu plus gros. Et moi je préconise plus le 2 MOA car selon la distance de l'animal, il arrive parfois que le point, même en basse intensité, couvre totalement l'animal, donc moins précis tout simplement. Donc voilà pour cette carabine. Alors c'est pas le placement de produit, je n'ai pas de sponsor avec Winchester ni Browning, mais voilà, pour les petits budgets, moi j'ai jamais été embêté. Elle a toujours très bien marché, pas de problème d'arrière-main et pas de problème d'encartouchement non plus. Donc très bonne carabine, il n'y a rien à dire. Après il existe beaucoup de modèles, les marques les plus réputées, hein, que ce soit Browning, Benelli, Blazer pour ne citer qu'elles, ce sont, voilà, vous êtes sûr du résultat. Après c'est juste que les goûts, les couleurs de chacun, et voilà, moi pour un débutant ce que je préconise c'est qu'il se rende dans une armerie, qu'il choisisse 2-3 modèles qui lui plaît et qu'il les prenne en main, qu'il les monte à l'épaule et qu'il voit les sensations qu'il a. Il choisit la meilleure carabine avec qui il a eu les meilleures sensations et le choix il est vite fait. Moi je pense qu'un choix de carabine doit être totalement personnel. Après on peut lui donner des conseils, lui dire que telle ou telle carabine a une bonne mécanique, une bonne canonnerie, etc. Mais c'est à lui de décider, tout simplement par rapport aux sensations qu'il va avoir avec l'arme. Donc au niveau munitions, moi j'utilise les Remington Corlocked en calibre 300 Winchester Magnum, donc 180 grains, 11,5 grammes. Là pareil, c'est une munition que j'ai jamais été embêté dessus. J'ai pu prélever quelques sangliers avec cette munition là, donc deux très jolis. Ils sont en train de défiler sur votre écran maintenant. Les munitions, c'est au goût et aux couleurs de chacun. Toutes les munitions sont plus ou moins bonnes. Le tout, c'est de trouver la sienne. Une fois que vous avez trouvé votre munition, ne changez pas. C'est pas parce que vous avez raté un animal ou que vous êtes sûr de l'avoir touché et qu'il est parti. Ça vient de la munition. Contrôlez votre point rouge, contrôlez votre carabine sur cible et vous vous rendez compte que, bien souvent, le seul responsable, c'est vous. Voilà, c'est ni la carabine, ni les munitions. Commencez pas à tout vendre.
ça sert à rien. Vous allez perdre du temps et vous allez perdre en régularité à force de changer souvent. Concentrez-vous sur votre mission, votre arme, prenez-la bien en main et tout devrait bien se passer. Donc écoutez, je vous remercie beaucoup pour d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour les 300 abonnés, on a atteint un joli petit palier. Donc je suis super satisfait. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. J'adore. Donc pour marquer le coup, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai acheté un petit micro pour augmenter la qualité du son. Voilà, petit à petit, c'est normal que je vous rende un peu la monnaie de votre pièce. Vous me faites confiance. Vous regardez mes vidéos, donc c'est tout à fait normal que moi aussi j'essaie d'augmenter ma qualité vidéo. Même si de temps en temps, vous voyez, je suis pas trop à l'aise devant la caméra. Mais voilà, j'essaie de m'entraîner au maximum, mais c'est vous qui me poussez de plus en plus à sortir de vidéos. Au début, j'étais parti sur quelques vidéos par-ci par-là, et puis on se prend au jeu. Et puis voilà, quand on voit que les vidéos plaisent et qu'on fait ça, on fait pas ça pour rien, et bien ça pousse au truc et c'est cool. Donc je vous remercie beaucoup, merci à vous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les amis, vous êtes au top.